where she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. Y'a pas de mineur ou quoi? Comment ça y'a pas de mineur? Attends, vous voyez les amis? Il faut que j'allume la lumière, c'est pas possible ça, tout en bleu. Je vois bien que c'est les couleurs de Marseille, mais bon, je peux pas faire une vidéo comme ça. Il faut que je règle ce problème là. Comment ça, y'a pas de mineur? Voilà, ça va marcher là. Voilà, on va pouvoir discuter. Eh non. Comment ça 2-0? 1-0, je comprends, mais. Comment ça 2-0? Mais ils font quoi Marseille là? Là, je comprends plus rien, les amis là. Ah non. Bon, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu du cas marseillais, puisque là, moi, je suis un peu content de leur prestation, bien sûr. Une prestation contre Paris Saint-Germain, qui était un peu... Je pense qu'ils sont un peu dans les étoiles, ils sont allés en finale, et puis maintenant, ils jouent plus du tout. Du coup, ils ont réussi à battre... attendez, deux minutes, parce qu'il y a un coup franc pour Marseille, là, et je suis en train de voir en direct le match, attendez. Ah, Marseille a failli marquer, mais non, il y a 2-0, je suis choqué. Il y a 2-0 pour Saint-Etienne. Évidemment, les Stéphanois sont contents aujourd'hui. Et oui, ils sont contents, ils sont premiers du championnat, mais pensez pas, ça n'a pas duré. Hein. Et je fais cette vidéo pour Philippe Garcia, des camarades au boulot. Une grosse dédicace à toi et tous ceux qui reconnaissent. Et, voilà, comme vous avez vu, je mets le maillot de l'équipe de Marseille, mais ça ne veut pas dire que c'est un pyjama, on m'a donné ça. On m'a donné ce maillot et je voulais pas le prendre à la base. Après, je me suis dit, bon, je vais le prendre pour faire un peu des vidéos, quoi. C'est un vieux maillot, vous avez bien vu, c'est un vieux maillot de Marseille, bon, il y a l'étoile et tout. Voilà, on va parler un petit peu vite fait de Marseille. Franchement, je suis content à côté de Marseille, mais à côté, je suis pas content parce qu'ils m'ont fait perdre du fric, ça c'est sûr. Bon, c'est comme ça. Bon, voilà, c'était prévu. Mais bon, voilà, Marseille a fait son match contre Paris, ils ont gagné 1-0 et c'est parti largement baston. Moi, j'ai pas pu voir le match en direct, j'ai vu juste les rediffs du match. Et franchement, je suis content à côté pour Marseille. Mais bon, voilà, puisque Paris gagnait tout le temps ses matchs, des matchs qui gagnaient tout le temps. Paris, Marseille, en ce moment, c'était eux qui gagnaient tout le temps. Et maintenant, Paris a fait la finale de la Ligue des Champions. Comme vous avez vu, ils ont perdu la finale de la Ligue des Champions. Il y a eu les charmeurs, les joueurs comme Payet et tout, qui ont charmé les joueurs de Paris, etc. Et puis, ce qui est bien, c'est les ont charmé comme quoi, eux, ils ont l'étoile. Comme vous la voyez bien ici, il y a l'étoile de Marseille. Voilà, ils ont une étoile, ils ont gagné une Ligue des Champions. Et donc, Payet a fait cette vidéo, une vidéo, là où il met le logo de Paris et qu'il enlève et qu'il y a le logo de Marseille pour dire que c'est eux qui ont la coupe, pas Paris, etc. Puis ça a charmé tout, ce qui est bien, moi j'ai aimé cette histoire parce qu'il a charmé bien les Parisiens. Et au match PSG Marseille, OM, et ben ils ont gagné les Marseillais. C'est ça que j'ai aimé, franchement j'ai aimé parce qu'il a charmé, c'est comme si tu te foutais de la gueule d'une personne puisqu'elle ne sait pas faire un truc et tu arrives, tu vas vers la personne, tu joues contre la personne, enfin c'est une expression, tu joues contre la personne, tu la bats pour lui dire que je te charme, je te fais râler et en même temps je viens vers toi et je te montre bien que regarde. Donc il a charmé, après il a joué contre eux, il les a battus 1-0. Mais c'est déjà mieux que rien et ça faisait longtemps que Marseille n'avait pas battu le PSG. Et franchement je suis content pour les Marseillais, c'est pour ça que je mets le maillot, je suis content. Bon après, je sais pas, moi j'étais dégoûté pour Paris, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Mais bon voilà, les Marseillais étaient contents que l'étoile reste à eux. Oui, éventuellement, pour le moment, pas de club français, encore moins Lyon pour gagner la Ligue des Champions. Et Paris avec des milliards d'argent, des milliards et des milliards, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, voilà. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo et je félicite l'équipe du PSG d'être en finale. Mais voilà, et je félicite... les Marseillais d'avoir battu en charmé les joueurs du PSG, en fait, excusez-moi. Et puis, ils ont joué un match de championnat et ils les ont battus. En ce moment, les Parisiens, ils sont à l'eau. On ne les voit plus. Comme ils étaient en vacances, certains joueurs, je ne comprends pas, moi. Vous mettez les dirigeants du PSG, ils ont mis tout le monde en vacances. Et après, les Parisiens, ils jouent plus. Ils jouent contre Lens et ils mettent une équipe 3. Et pour moi, c'était une équipe 3. Et ils n'ont rien joué, ils ont perdu contre Lens tranquillement. Et après, ils ont joué un autre match. Ils font que de perdre. Là, ils ont gagné un match contre Metz.
Et encore, limite, ils allaient le perdre ce match, hein, ou même faire match nul. En ce moment, ça va plus trop bien à Paris, puisque voilà, ils, je pense que dans leur tête, ils ont encore les vacances et la finale, etc. Le temps que le PSG se remet, les Parisiens ont bien fait de prendre cette occasion pour bien sauter dessus et les battre 1-0. Franchement, je félicite le PSG, excusez-moi, les Parisiens, les Marseillais, excusez-moi. Je suis un peu, parce qu'en même temps, je suis le match. Il y a 2-0 pour l'AS Saint-Etienne face à Marseille. Et le match vient de finir. Ouais, il vient de finir. Voilà. Les Marseillais ont perdu. Mais bon, je me dis, ils ne peuvent pas tout gagner. Là, Saint-Etienne est premier. C'est le début de championnat. Ils ne vont pas rester bien longtemps en premier. Moi, je le sais très bien. Avec toutes les équipes qu'il y a derrière qui se chauffent. Donc, voilà, le championnat est parti. Mais je suis content pour les Marseillais parce qu'ils ont charmé l'équipe du PSG. Ils les ont bien charmés pour dire « Ah, vous n'avez pas gagné la finale des champions, etc. etc. » Et après, ils se sont affrontés. Et puis, ils ont gagné contre le PSG Marseille. Ils ont battu 1-0. Et c'est parti en bagarre, ça bastonnait, toum, toum, toum. Chacun a connu, toum, toum, toum. Ça, c'est bien. Même Neymar est allé mettre sa part. Et tout le monde cognait, tout le monde, ça c'est bien, ça c'était un match, ça c'est génial, il y avait du suspense, ça cognait, il y avait de l'énergie. Ma foi, vous n'avez pas gagné la Ligue des Champions, et puis voilà, vous avez arrêté de jouer, eux ils ont profité, les Marseillais, ils ont profité de jouer contre le PSG, qu'ils étaient un peu blessés avec cette finale de la Ligue des Champions, qu'ils étaient dégoûtés et tout, et pour gagner 1-0, ils ont profité les Marseillais, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Mais après voilà, moi je suis content. Du Paris Saint-Germain, au moins ils sont allés en finale, mais malheureusement moi aussi j'étais dégoûté quand ils ont perdu la finale, c'est comme ça. Et bon, je suis content quand même que Marseille a profité, puisque comme ça faisait longtemps que Marseille n'avait pas battu le PSG, elle a gagné en championnat 1-0. Mais maintenant on va voir le match suivant, qu'est-ce qui va se passer. Et puis quant à nous Lyonnais, mes amis Lyonnais ne font rien en ce moment, ils font des matchs 0-0 face à Bordeaux, tout ça, on perd des matchs, alors que normalement on doit profiter d'être en haut. Ben voilà, maintenant il y a Saint-Etienne qui est devant. Alors pour tous ceux qui n'aiment pas Saint-Etienne, tous les Lyonnais qui n'aiment pas Saint-Etienne, ils doivent être fâchés en ce moment de voir ce classement aujourd'hui. Et puis voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo où on va parler un peu d'autres choses. Et je n'ai pas oublié la vidéo de dégustation qui va pas tarder, excusez-moi. Puisque là j'avais des choses à faire, j'étais un peu perturbé. Je me fais un peu des RTT de vidéos, un peu des petites vacances, je fais plus de vidéos et après je reviens, j'aime bien, c'est comme ça. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo et dédicace à tout le monde. Et puis on se retrouve tôt ou tard, peut-être ce week-end il y aura une vidéo, c'est peut-être ce week-end, si c'est pas ce week-end, ça sera sûrement la semaine prochaine, je ferai une vidéo. Allez les amis, je vous quitte puisque voilà, le match est fini. Et félicitations à l'équipe de Saint-Etienne, vous êtes premier, mais pour combien de temps, ça on ne sait pas. Moi je sais que Saint-Etienne ne va pas rester premier bien longtemps, bien ça c'est sûr. Puisque bon, voilà, là c'est un Astiban de Marseille, voilà, puis chez eux ils ont perdu, bon, ils sont fatigués, ils ont fait le match qu'ils voulaient le plus, c'était contre le PSG 1-0, donc voilà. Voilà quoi. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis, j'arrête de parler, j'ai trop parlé dans cette vidéo. Salut les amis, à tous.